francs 50. Oh, ami, vous qui habitez le grand ville de la sacrée Akraga jusqu'à l'acropole, dont le souci et les bonnes actions qui abritaient les étrangers dignes de respect, qui ne savaient pas comment faire la bassesse, salut! Je vais parmi vous en Dieu immortel, n'étant plus immortel, honoré partout, comme il convient, couronné des bandelettes et des guirlandes luxuriantes, avec celle-ci sur ma tête, dès que j'arrive dans des villes florissantes, je suis vénéré par les hommes et par les femmes, et ils me suivent en nombre incalculable, me demandant quel est le chemin pour gagner. Certains en quête d'oracle, d'autres d'aide dans les maladies, longtemps en vérité percer la douleur grave. Ils cherchent à entendre de moi un compte rendu aiguisé de toutes sortes de choses. Il y a une parole des nécessités, un ancien décret des dieux éternels, scellé par les larges sermons, chaque fois que quelqu'un scelle son corps, de manière pécheresse avec du sang, ou se page en ce qui concerne le méfait. L'un de ces esprits qui sont héritiers d'une longue vie, 30 000 saisons, errera à la carte des bienheureux, étant né entre-temps sous toutes sortes de formes mortelles, changeant un chemin de vie pour un autre. Car l'air puissant le poursuivre la mer, et la mer le rejette sur le sol de la terre, et la terre le jette dans les rayons du soleil infatigable, et le soleil dans les tourbillons de l'air, l'un le reçoit de l'autre, et tous les haïssent, l'un de ceux-ci suis-je maintenant aussi, un fugitif des dieux, et en orant à la merci de la discorde déchaînée.